Alors maintenant, nous allons passer à la fabrication d'un stylo. On va partir sur un carrelé d'olivier, un bout de bois qu'on appelle carrelé d'olivier. Et on va le scier à la bonne taille. Voilà, on a débité le carrelé. On va maintenant le percer. On va maintenant procéder au collage du tube dans le carrelé. Avant, je mettais des heures de colle quand j'étais un méchant professeur. Maintenant, je mets juste de la colle sur des tubes parce que je suis un gentil tourneur. Alors maintenant, on va araser. On va donc maintenant tourner le stylo. Maintenant, on va utiliser la plane pour faire quelques rainures. On va maintenant passer un vernis mélaminé pour protéger le bois de l'acidité de la peau. On termine le stylo avec un peu de Sheila Wax. Alors maintenant, nous procédons au montage du stylo. Nous avons monté la terminaison, ici la barrette. On va se servir de cette presse. Et maintenant, nous vissons la terminaison du stylo. On va y introduire la cartouche. On visse le mécanisme. Voilà. Et la terminaison.